Amen. Amen. Et quand ils ont entouru, Pierre, par, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit la parole. Et il a commencé à parler aux gens. Je commence au verset 36. Amen. Amen. Et toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Jésus-Christ, et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. 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 Après avoir entendu ces discours, il y ouvre le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Amen. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. 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 Et sur cela, car la promesse est pour nous, n'est-ce pas ? Car la promesse est pour vous
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous appellera. Amen. Et nous avons dit que dans Marc aussi, la parole de Marc 15, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Amen. Donc nous sommes là ce matin pour confirmer, pour montrer au diable qu'à partir d'aujourd'hui, nous laissons les mots. Amen. Amen. Et que nous entrons dans les eaux du baptême en résistant pour vivre pour Jésus-Christ. Amen. 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 C'est cela que nous allons faire ce matin et que ceux qui sont déjà, je commencerai par la sœur, et qui avance déjà, le Père et qui le fait. Pendant ce temps-là, vous allez déjà commencer à chanter, mais auparavant, nous allons prier. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as accordé, Seigneur, cette occasion, que nous puissions être à cet endroit pour accomplir ta parole. Et si, Seigneur, nous prenons l'autorité sur toute chose, nous possédons cet endroit, et que nous le faisons, Seigneur, au nom de Jésus. Nous chassons tout ce qui est contraire au Seigneur, de s'éloigner et d'aller dans les lieux arrivés. Nous, que nous puissions posséder cet endroit, et que nous l'avons, nous parlerons à terre, pour la gloire, dans le nom de Jésus. Avancez, avancez encore, frère. Voilà, c'est bon, c'est bon. Maintenant. C'est bon, hein?
Elle a des gants. Bon. Après le baptême, Dieu sait différemment. Amen. Et c'est ce que les prophètes les commandent. Non, il va où? Donc, Paul, après avoir constaté qu'il a trouvé des disciples qui étaient bâtis, qui n'étaient pas bâtis dans notre Seigneur Jésus-Christ, quand il les a parlé, ils lui ont dit qu'ils n'étaient pas encore bâtis. N'est-ce pas? Amen. Et Paul les a amenés au nom de Dieu pour les bâtis. Après avoir baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, au sorti des eaux du baptême, il les a imposé les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce que je dis dans Acte 19, je commence au verset 3. Il dit ceci. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Du ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Au verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Amen. Et ils parlaient en langue et des choses comme cela, et ils prophétiquaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. Amen. Donc, c'est ce que Paul recommande, c'est ce que le prophète recommande. Que quand nous sortons des eaux du baptême, et quand vous avez reçu votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions vous imposer les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse que Jésus-Christ a donnée, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Cela peut arriver là, peut arriver dans quelques temps, comme ce que nous devons accomplir toutes les écritures. Amen. Déjà à plein. Aujourd'hui. Et maintenant, je vais aller à l'école. Tu travailles avec toi.